les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un haul puisque j'avais mis une photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander quand est-ce que le haul allait arriver, donc le voici. Donc il y a des choses chez Undies, il y a des choses chez Etam, il y a des choses chez Promode et d'autres chez Camailleux. Il y a des choses que vous pouvez retrouver actuellement et d'autres plus. Je crois qu'il n'y a qu'un seul article que vous ne pouvez plus retrouver ou peut-être deux, mais je verrai à essayer de retrouver les articles et vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Donc on commence tout de suite. Donc je vais essayer de ne pas casser les trucs, pas les faire tomber, c'est surtout ça. Donc c'est un petit top que j'ai acheté chez Etam, donc qui se présente comme ceci. Donc ça c'est pareil, je vous l'avais montré sur Snapchat je crois, donc si vous n'êtes pas abonné, enfin si vous me suivez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je snap assez régulièrement. Donc c'est ce petit haut, donc c'est un petit débardeur, je vais y arriver, on va l'enlever, ça va être beaucoup plus facile et voilà. Donc il se présente comme ceci, donc moi j'adore ce motif là, enfin franchement voilà. Faut savoir qu'il y a une veste et il y a aussi une combi, une robe je crois dans ces motifs là. Donc devant en fait c'est tout satiné et derrière on est sur une matière t-shirt. Donc franchement j'ai craqué dessus, il est à 29,99 je crois et moi j'ai pris une taille S pour être bien, donc voilà. Franchement il est trop beau, même avec un petit gilet rose ça passe sans aucun problème. Donc moi j'ai totalement adoré, on va essayer de pas faire de bêtises. Ensuite donc ça c'était chez Etam, chez Camailleux je me suis trouvé un petit gilet donc qui est rose. Et en fait ce que j'ai adoré, donc il se présente comme ceci. Donc ça fait vraiment le petit gilet qui passe partout, la couleur j'adore. Et vous voyez les petits détails au niveau des manches et en bas. Enfin moi perso j'ai adoré. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est que devant il a un côté tout suédine. Et derrière c'est vraiment la matière gilet. Donc ça c'est super agréable. On a des petites poches. Limite ça fait un peu bombers mais en forme gilet. Donc moi j'ai adoré. Et celui-ci, bah, je me souviens même plus du prix. Je crois que c'est 29,99€, un truc comme ça. Je pense que c'est à peu près ça. Et alors celui-ci je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver maintenant, après si je le trouve en lien je vous le mets en barre d'infos sans aucun problème. Le Etam ça c'est sûr, mais voilà celui-ci je l'adore et il se ferme devant mais moi je le ferme jamais parce que enfin voilà. Et ça plus ça franchement les filles c'est vraiment très très beau, très décontracté. J'avais mis les deux dans la vidéo pour le spray pour les cheveux, je le porte donc voilà c'est vraiment un super combo. Après vous pouvez mettre le petit top Etam avec un autre gilet rose, enfin vous pouvez vraiment marier les couleurs mais je trouvais ça hyper lumineux donc les deux ensemble me correspondent parfaitement. Et puis de toute façon un gilet je le mets tout le temps donc voilà. Ensuite un haut de chez Promode, donc là j'ai littéralement craqué dessus. C'est un petit chemisier donc avec des petits voiles. Les manches sont 3/4 et ils se présentent comme ceci. Donc voilà, c'est des motifs que j'aime beaucoup. On est encore sur du rose poudré. Et celui-ci, je l'ai pris en taille 36. Et je l'ai payé 29,95 si je ne me trompe pas. Et le gilet Camailleux, je l'ai pris en taille S. Mais voilà, ça c'est même pour maintenant, pour les beaux jours, c'est une matière qui est hyper fluide, donc j'aime beaucoup et enfin voilà, même pour bosser, enfin ça je vais adorer le porter cet été sans aucun problème. Et moi j'adore ces couleurs-là, ces motifs-là, c'est juste un truc de malade. J'espère que je suis pas trop flou. Ensuite, un autre, alors là c'est un gilet long qui vient de chez Etam et je pense que celui-ci il n'est plus disponible, donc je vérifierai et je vous mettrai ça sur le lien, enfin... Le lien en barre d'infos aussi je trouve. Donc en fait il se présente comme ceci en haut. Donc vous avez bien compris c'est un gilet marin. Avec voilà il est vraiment très très beau, du doré sur le col. Il est totalement bleu marine et il est très long. Voilà il y a des poches et tout. Et celui-ci enfin quand je l'ai vu bah, j'ai craqué dessus parce que enfin le détail et tout. Moi qui suis hyper petite j'avais peur que ça soit... trop long et pas du tout. Et celui-ci, enfin, c'était vraiment un coup de cœur. Donc c'est quand même 80€ la pièce. Hein, voilà. Mais ça doit faire 2 mois que je l'ai acheté et je l'aime énormément. Donc voilà, ça, enfin la matière est vraiment super agréable. Elle est assez lourde,
Mais enfin, franchement, voilà, bon, j'ai plein de poils de chien et j'ai beau enlever les poils de chien, mais avec Sangha, c'est trop compliqué. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment une magnifique pièce qui va avec tout, que ce soit un short, une jupe, un pantalon, franchement, voilà. Et moi, ça, je le mets avec un haut rouge pour faire ressortir. Et franchement, c'est juste magnifique. Et vous voyez, vous avez le petit bouton, je sais pas si on va bien voir, parce que là, en fait, on voit que moi, avec une encre marine dessus. Enfin, vraiment, c'est. J'ai craqué dessus. Il est vraiment littéralement trop beau. Sachant que moi, j'évite de porter du trop trop long parce que je suis court sur pattes. Donc voilà. Donc ça, je ne sais pas s'il est encore dispo ou pas. Je sais qu'en magasin, il n'y est plus actuellement. Et peut-être encore dispo sur le site. À voir. Et moi, je l'ai pris en taille S parce que le M était largement trop grand. Donc voilà pour les vêtements de tous les jours, on va dire. Et je suis allée chez Undies avec ma maman hier et j'ai littéralement craqué. Donc c'est la photo en fait que j'ai mis à l'intérieur de mon sac sur Instagram et tout le monde m'a demandé mais tu le fais quand? Tu le fais quand ton haul? Et pareil, j'avais posté sur Snapchat, donc vraiment rejoignez-moi sur ces deux réseaux parce que voilà. Hein. Donc pour commencer, j'ai pris un short pour dormir et j'ai totalement, c'est pas la première fois que je le voyais, mais il me plaisait tellement que voilà. Donc il est comme ceci en fait. Et regardez-moi les petits détails, vous allez comprendre pourquoi je l'aime tant. Voilà, c'est la petite sirène en fait qui est dessus. Et ça, vous pouvez actuellement le trouver en magasin parce que moi je l'ai trouvé hier et ça fait un petit moment que je l'avais vu. Mais voilà, il est vraiment trop trop beau, je l'aime vraiment beaucoup. Enfin voilà, de toute façon, la petite sirène c'est ma princesse préférée avec la belle. Donc voilà, j'ai totalement craqué dessus et j'avais pas de haut que j'aimais par rapport à la petite sirène. Mais moi j'ai un haut à la maison qui vient de chez Undies, d'une ancienne collection où justement il y a Ariel et il est gris, donc ce sera littéralement parfait. Et donc moi je l'ai pris en taille M parce qu'en bas il me faut un peu plus grand que du S. Et puis je veux être à l'aise surtout. Je l'ai payé 12,95€. Donc franchement c'est hyper raisonnable et pour les beaux jours ça va être très très bien. Mais vraiment les détails sont juste magnifiques. Enfin, voilà, moi celui-ci je l'aime énormément, il est vraiment très très beau. Ensuite je me suis pris, alors là le truc, je montre jamais mes sous-vêtements, mais là je vais vous montrer. Parce que c'est pareil, c'est pour dormir. Donc c'est celui-ci, c'est pareil, je l'ai trouvé hier. Donc un petit shorty pour dormir et c'est marqué je ne peux pas, j'ai poney. Donc voilà, et puis le poney il est trop mignon. Donc voilà, et là je l'ai pris pareil en M pour être à l'aise. Surtout pour dormir, et j'ai payé 8,95€. Donc les prix sont vraiment très abordables. Je suis trop dégoûtée, la lumière elle change tout le temps. J'ai l'impression que je suis orange maintenant. Dans la même gamme, eh ben, j'ai pris le t-shirt. Parce que j'adore tout ce qui est poney et licorne. Donc il est comme ceci. Et ce que j'aime, c'est comme celui-là de Pikachu que j'avais acheté. C'est qu'il est ouvert sur les côtés et assez court. Donc c'est très bien. Et pareil, je ne peux pas, j'ai poney. Donc voilà. Et ça, pour aller avec le short pour dormir la nuit, c'est vraiment très très bien quand il fait super chaud. Et je l'ai pris en taille S et je l'ai payé 12,95€. Donc voilà, celui-là il est vraiment trop beau, j'adore. Et c'est hyper confortable pour dormir, donc voilà. Ensuite, le dernier article que j'ai pris, alors celui-ci quand je l'ai vu, j'ai craqué littéralement dessus, étant une grosse fan de Disney, je ne pouvais que craquer. Et même ma mère qui n'aime pas Alice au Pays des Merveilles a adoré. Donc c'est un pantalon de pyjama. Donc je l'ai payé 16,95€ et je l'ai pris en M. Il est un petit peu grand, mais au moins je serai tranquille. Et voilà, c'est le chat d'Alice. Et j'adore. Enfin franchement, il est trop trop beau. Donc en fait, on voit le chat partout jusqu'au bout. Et c'est un peu resserré dans le bas et c'est rose. Donc vraiment, enfin, celui-ci, j'ai craqué dessus. Et ce qui est bien, c'est que vu que moi, il est un petit peu trop grand au niveau de la taille, je peux le resserrer. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et voilà, même pour la maison, pour être décontractée, franchement, enfin, j'en cherchais un. Donc ça va être vraiment parfait. Et non, il est vraiment trop trop beau. Donc je suis très 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 contente de l'avoir trouvé. En plus, quand j'y suis allée, il n'y avait plus ma taille. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et en fait, il en restait un en réserve. Donc, elle était me le chercher. J'étais trop heureuse. Donc, voilà. Ailleurs, il y a une petite chose que je ne vous ai pas montrée. Je vais aller le chercher parce que j'ai un petit peu zappé. Donc, déjà, j'ai ce t-shirt-là qui vient de chez Etam. C'est pareil, c'est pour dormir. Donc, j'adore la couleur bleue comme ça, bleu canari. Enfin, moi, je suis fan du bleu de toute façon. Et c'est marqué belle comme une fille au soleil. Il est trop trop beau et donc celui-ci c'est pareil, je l'ai pris en taille S
pour être hyper confortable et je l'ai payé 14,95 ou 99, je ne sais plus. Et franchement, pour dormir, c'est que du bonheur. Moi, je sais que des matières comme ça, j'adore. Bon, Laura, va falloir le replier parce que tu l'as pas passé. Donc voilà pour ça. Et pareil, je vous avais montré sur Snapchat, j'avais pris un chez Undies, un t-shirt pareil pour dormir, Jurassic Park blanc, et j'avais pris en M. Quand je l'ai essayé, je me suis dit oui, c'est bon, ça passe, et en fait, non, c'est trop grand. Donc j'aurais dû aller le changer, mais vu que je l'avais porté et tout ça, je n'allais pas changer un article que j'ai porté forcément. Mais je suis vraiment dégoûtée parce qu'il est trop grand. Donc voilà. Hein, donc j'aurais dû prendre du S comme d'habitude, Alan me l'avait dit, mais bon, c'est pas grave. Et là, de toute façon, ma mère va, comme je vous ai dit, aux États-Unis, et normalement, elle va à Hollywood Studio, enfin à Universal Studio plutôt. Et je sais qu'il y a un t-shirt Jurassic Park gris qui est là-bas, donc elle va me le ramener, donc je suis trop 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 contente. Donc je vous montrerai ça quand elle va m'avoir ramené tout ça. Et il y a un autre article que j'avais acheté ce jour-là. C'est un pyjama deux pièces Gremlins. Donc avec le t-shirt rose avec un gros gizmo dessus. Et le short qui était gris avec plein de têtes de Gremlins. Sauf que celui-ci est en train de laver. Donc du coup je ne peux pas vous montrer. Mais j'essaierai de vous retrouver le lien s'il est encore dispo. Parce qu'actuellement, enfin hier je ne l'ai pas retrouvé. Et là j'étais obligée de prendre du M parce que je suis... Enfin, je prends du M pour le bas et du S pour le haut. Mais là, vu que c'était vendu ensemble, je ne pouvais absolument pas prendre deux tailles différentes. Donc le t-shirt est assez grand, mais vu qu'il est court et tout ça, c'est hyper confortable. Et le short, par contre, le short, je l'ai. Donc je me rééclipse. Aïe! Et je me cogne la tête en même temps. C'est magnifique. Hop. Voilà. Ouh, mes cheveux. Et voilà comment se présente le short. Donc voilà, il est trop beau, mais oui, bon, tonton, sans gars, ça suffit. Et comment, t-shirt, il est vraiment tout rose poudré. Et il y a un gros gizmo qui fait dodo. Enfin, il est trop beau, j'ai craqué dessus. Enfin, franchement, voilà. Donc ça pour dormir. Et donc, je l'ai pris en M, j'avais pas le choix pour le bas. Pour être vraiment très très bien. Donc voilà les filles pour ce petit haul. Alors il y a deux choses qu'on a achetées à Sephora hier avec ma mère. Donc je vais vous les montrer dans ce haul là parce que je vais pas faire un haul beauté tout de suite. Enfin voilà, pour l'instant j'ai rien racheté de particulier, donc je vois pas trop l'intérêt de vous faire un haul pour deux trucs. Donc je me suis racheté mes lingettes au charbon parce que franchement je les adore, ça nettoie tellement bien la peau, ça me démaquille parfaitement que voilà, j'en suis totalement fan. Et je me suis repris un baume pour les lèvres à la coco parce que habituellement un baume pour les lèvres dure très longtemps. Mais celui-ci m'a pas duré très longtemps parce que je l'ai quasiment fini et je l'aime d'amour. Je me suis dit je reprends peut-être un différent. Ouais, j'ai fait non, non, je reste sur mon coco pour le moment parce qu'il est vraiment très très bien. Et il m'a hyper bien réparé les lèvres aussi quand j'ai eu les lèvres très abîmées ces derniers temps. Donc je suis super contente de l'avoir repris. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu ce petit haul mode parce que j'en fais très peu, mais là je me suis dit c'était l'occasion. Donc je vous mettrai tout ce que je peux en barre d'infos pour retrouver ces articles-là. Sachant que je les ai quasiment tous montrés sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Snapchat et me dire en fait quand vous m'avez rajouté que c'est vous, hein, parce que des fois j'ai des gens qui me rajoutent mais je ne sais pas que c'est vous, donc n'hésitez pas à me snapper directement en me disant c'est moi ton abonné, tout ça. Du coup mon pseudo c'est StitchNet14. Ça n'a pas changé. Comme mon Instagram, c'est StitchNet14. Et bien sûr, vous pourrez me retrouver sur ma chaîne YouTube qui est StitchNet14. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment trop plaisir. À me laisser plein de petits commentaires, à échanger parce que franchement, vous commencez vraiment à être de plus en plus à me laisser des petits commentaires et tout. Et ça me fait trop plaisir. Dont une, enfin, tous vos commentaires me font énormément plaisir. Mais je passe un petit coucou à mon abonné. Qui est de Lisieux puisque j'ai rencontré sa fille au magasin il y a très peu de temps, donc j'ai vraiment hâte qu'elle vienne me voir au magasin parce que enfin voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait qu'on me demandait si j'étais youtubeuse et si j'étais bien StitchNet14, donc j'ai dit oui bien évidemment. Et voilà, ça m'a fait vraiment trop plaisir d'avoir été reconnue. Alors voilà, je fais enfin c'est, je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais tellement heureuse. Et elle m'a dit que donc c'était sa maman qui me suivait, donc je te fais vraiment
plein de bisous parce que je sais que tu commentes toutes mes vidéos et ça me fait vraiment très très plaisir. Et si t'as l'occasion de venir sur Caen, n'hésite pas à venir me voir où je travaille parce que franchement ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre, à être de plus en plus nombreuses comme vous l'êtes. Moi je suis vraiment très très contente parce que comme je vous l'ai toujours dit, je suis en train de me... La vidéo va encore durer 3 plombes, mais comme je dis, je fais ça vraiment avec plaisir et je pense que ça se voit. Je sais pas, ça, c'est pas mon travail hein. De base, je travaille ailleurs, donc vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, à aimer ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment une récompense pour moi et je suis vraiment la plus heureuse du monde et du coup ça me donne vraiment encore plus envie de m'investir. Je vois que les vlogs vous plaisent et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les deux derniers vlogs, vlog une journée avec nous et celui du zoo de Jure, parce que enfin voilà, je faisais plus de vlogs parce que je me suis dit ça vous plaît pas, et au final vous êtes super nombreuses à me dire oh, c'est super bien que tu fasses des vlogs et tout, donc voilà, je vais vlogger de plus en plus. Enfin, je vais, voilà, je m'investis de plus en plus. Ça me donne vraiment envie de voir que vous me suivez comme ça et que mes vidéos vous plaisent de plus en plus. Donc du coup, je m'investis beaucoup plus. Et là, j'essaye de vous faire 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi, pour vraiment que ça vous plaise de plus en plus, tout simplement. Donc pour vous remercier de votre fidélité, ça me touche énormément. Donc je vais m'arrêter là parce que c'était une vidéo haul. Et là, je suis en train de m'éparpiller parce que ce n'est pas du tout un... Alors j'ai fait mon haul en début de partie, mais là je m'éparpille. Donc je vous fais de gros 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 bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye !